fait, j'ai eu au départ beaucoup de liberté de la part d'Alexis Ratmanski, qui a raconté l'histoire de Psyché, simplement toute cette légende, voilà, et qui voulait en fait des costumes vraiment qui étaient très forts et des costumes très, enfin, très, très visuels. Et je suis partie très loin, comme ça j'ai dessiné simplement. Quand je dessine des vêtements, quels que soient les vêtements, je pense toujours aux contraintes des mouvements. Ça, c'est inhérent, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Mais dans la danse, il y a encore beaucoup plus de contraintes, qui sont les contraintes des portées et les contraintes de la transpiration, bien entendu, par rapport au tissu, le nettoyage, etc. Enfin, ça, c'est plein de choses techniques que, d'ailleurs, l'atelier de couture de l'Opéra Garnier maîtrise extrêmement bien. D'ailleurs, c'est un atelier absolument fantastique. On a utilisé énormément de soie, des taffetas de soie, très, très, très belle qualité de taffetas de soie pour toutes les fleurs. Il y a une crépline de soie pour le costume de Psyché, qui est c'est un organza extrêmement fin. Les costumes des invisibles, bien sûr, sont des tissus évidemment synthétiques, etc., parce qu'ils sont très moulants. Mais non, il n'y avait pas tellement de contraintes sur le plan des tissus par rapport à tout ça, pas du tout même. L'important, c'est vraiment que l'apparence, que le costume soit le plus beau possible et que soit le plus proche des maquettes aussi que j'avais réalisées. On a fait tous les essais possibles, il y a aussi tous les costumes des animaux, vous avez vu, enfin il y avait beaucoup d'essais, de matières. C'était très nouveau de travailler avec Alexis Ratmanski, dont je ne connaissais pas le travail. Et son travail est très, très intéressant parce qu'il a une manière de progresser dans son travail. C'est vraiment un travail assez d'une grande conception. En général, souvent, les chorégraphes ne savent pas trop exactement ce qu'ils veulent comme costume, parce que c'est plutôt la danse, tout ça qui est important. Mais à partir du moment où j'ai montré les maquettes, il a compris très, très, très bien les costumes que je proposais. Donc on a pu vraiment en parler, ça avançait très bien.